Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2023. Qui sommes-nous? Qu'allons-nous faire de cette journée? Comment vivre ce jour? Depuis des années, je suis régulièrement interpellé par les questions qui reviennent souvent par les enfants de Dieu. Des questions existentielles qui poussent chaque être humain à se positionner devant ceux et celles qui vivent à côté de lui. Depuis des années, les personnes sont tellement tourmentées par leur quotidien que certaines d'entre elles vont abdiquer devant les épreuves. Cependant, il arrive très fréquemment que nous ne sachions pas comment aborder une journée, ni même nous positionner face à un événement important dans notre vie. Être disciple du Christ implique que nous sachions nous positionner devant le monde. Jean le Baptiste connaissait son rôle dans le plan de Dieu. Comment ? Simplement en étant un homme ayant su prendre position devant Dieu et les hommes. Il dira ceci dans Jean au chapitre 1er, versets 26 à 27. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Faisons de ce jour ce qui va être pour nous la grâce de nous déterminer devant les hommes. Prenons à bras le corps le zèle à propager l'évangile de Dieu en témoignant de notre foi devant les hommes. Car l'enjeu pour notre monde, si on veut qu'il change, c'est de devenir des témoins dans tous les actes et paroles que nous devons faire ou dire avec l'amour du Christ. Jean le Baptiste a lui-même mesuré son engagement en prenant une part à sa destinée et pas des moindres. En faisant preuve d'humilité pour commencer, et en s'estimant inférieur à Jésus. Comme en atteste ce qu'il a déclaré, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Comment cet homme est-il capable de parler de Jésus ainsi, s'il n'est pas habité de la parole de Dieu, qui lui révèle en premier son identité et en second celle du Christ. Si le Jean le Baptiste témoignera jusqu'à en perdre sa vie, il sera devant les hommes une occasion de chute pour les puissants de son temps, en les interpellant afin qu'ils se conforment à la parole de Dieu. Comment serait-il possible que les hommes soient à l'écoute de la parole de Dieu sans changer? C'est peut-être à cause de l'orgueil qu'ils ont. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu élève les humbles. Dieu redresse les personnes courbées. Dieu restaure le faible et en prend soin. Même si ces derniers sont confrontés à la fois au doute, comme dans l'expression d'une foi inébranlable, l'homme doit être un témoin, car même dans le doute ou par la foi, l'homme peut devenir la gloire de Dieu, si et seulement si celui-ci accepte de mourir à la vie qu'il mène pour accéder à la vie promise par Dieu. « Viens et suis-moi », dira Jésus à beaucoup d'hommes et de femmes. Certains accepteront de tout quitter pour le suivre, à l'exemple des disciples et de saint François d'Assise, par exemple. Alors oui, maintenant prions pour que Jésus intercède auprès de son Père, pour que chacun de nous voit dans cette croissance spirituelle un avenir meilleur, une assurance de vivre et de ne plus survivre simplement. Père juste et bon, je te prie de m'aider à découvrir mon identité en toi. Fais-moi connaître qui tu es pour moi. Que mes doutes ou ma foi ne s'opposent pas à ce que tu veux manifester en moi. Donne-moi jour après jour d'être le reflet de ta gloire, afin que le monde puisse croire en me voyant vivre, parler, aimer ou agir. Oui, Père très bon, apprends-moi à vivre de ta vie, à témoigner de ton amour par mes actes d'amour. Père, viens jusqu'à moi maintenant, afin que je puisse être là où tu veux que je sois. Père, au nom de Jésus, je m'abandonne à toi et à ta divine volonté en moi. Amen.
Pour toi, sois mon seul maître.